Et re tout le monde. Quel jeu! Ah, il est trop bien ce jeu. Franchement, il est vraiment. Il est vraiment. Après, je me dis, ça peut être stylé de faire la dernière île. Comme ça, quand je finis, même en facile, si je fais la mission finale, je fais tout, quoi, vous voyez? Ça peut être stylé aussi. Mais je me dis qu'elle va être ultra dure. On fait ça ou pas? Est-ce que c'est greedy? Parce qu'on est sur une belle game, quoi. Mais c'est vrai que ce serait stylé de faire les 4 îles et ensuite je finis la ruche. Et là j'ai vraiment bien clean le bordel, quoi. Greed or not greed, that is the question. C'est ça. D'un autre côté, si je perds là, tendu, quoi. Après, en vrai, maintenant facile, je sais que je pourrais récupérer mes pilotes. Parce que j'ai quand même une belle équipe, là. T'as pas besoin d'augmenter les dégâts d'artillerie, by the way. Là, actuellement... Je peux récupérer des cœurs, mais attends, pour augmenter ça, bâtiment immunisé, ça coûte cher. C'est vrai que ça fait mal, par contre, en plus de hauts dégâts. Après, ça coûte cher, quoi. Moi, je vote pour le beau jeu, vu qu'il tape à 1, c'est triste. Ah, il en faut 3, quoi. Il en faut 3. Après, là, toi, j'ai le double tir, ça qui est cool. Il pourrait taper à 3 facilement, mais là, je tire 2 fois. Donc, non, il tape à 2, techniquement, tu vois. Tu vois, il tape à 2, techniquement. Parce que là, il faudrait que je récupère le déplacement, de la santé... Et le canon, sinon, lui, elle, c'est important qu'il tape à 2, tu vois. Non, c'est pas si mal comme ça. Parce qu'au final, l'artillerie, non seulement il fait quand même, au final, il peut faire jusqu'à 2 de dégâts, et en plus, il bump. Donc, il y a un côté qui est quand même pas trop mal comme ça, tu vois. Allez. Le beau jeu, on fait le beau jeu, les gens. C'est pas contre les vagues, commandant. J'espère que les marchefeuilles pourront nous aider, nous aussi. On fait le beau jeu. Je vais peut-être le regretter. J'espère pas. J'espère pas. Défendre l'unité, traitons les montagnes, détruire toutes les montagnes. Non, ça, j'y arriverai jamais. Finir le combat, ok. Tapis roulant. En temps normal, le tapis roulant, ça va transporter les cubes de déchets, mais les marchefailles. Oh là là. On va faire le beau jeu, le chat. Hein. Je pars pour le beau jeu. Ok. Largage de capsule. Ah putain, capsule temporelle. Tiens. Hein. Oh là, ils sont sous terre, les bâtards! Mais non... Oh ah bah, ça va. Ça va, ça le fait. Ça va être chaud. Hein. Avec l'acide, ils prennent plus de dégâts. Ça change pas mal la donne, ça, par contre. De dégâts. Ouais, tu vois, je le massacre, hein, ça qui est cool. Hein. On a eu la capsule. Tu vois, je peux me mettre dans la cible, moi ça me fait rien. C'est juste que si je prends les dégâts, c'est dangereux. Mais après, là, ça va pop là, donc je vais pouvoir l'atomiser au pire. Après, là, il faudra que je fasse gaffe, tu vois. Parce que la boum, un dégât. Là, je peux me reprendre un dégât. Ouais, là, juste un. Pour avoir l'étoile. Voilà. Ok. Voilà. Toi, t'es mort. Ah, je l'ai carrément dégagé.
C'est bon? C'est bueno. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Ok, alors on a quoi de bon? Allez, promotion pour Jean-Michel là. On a quoi, la capsule, un petit cœur? Yes! Plus 3 en défense réseau, attends. Augmenter de 3, c'est vrai que faites les champs rester aux dégâts infligés, ok. Ok. Attends, j'ai eu un cœur. C'est vrai que la... Après, ça serait stylé, mais bon. Du coup. Il va falloir commencer à y penser. Est-ce que c'est mieux, tu vois, que je fasse plus 2 de dégâts? Ouais. Et là, tu vois, j'enlève le double tir. Hop. Et paf paf. Alors, s'il faut que j'ai le double tir, il en faut la 5, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait double, elle fait l'artillerie, elle fait double tir parce que c'est ce personnage-là. Toi, c'est une capacité. Hein. Et c'est si je me déplaçais pas. Mais là, je vais taper une fois, par contre. Là, je taperai à 3 sur un mec. Tandis qu'avant, je faisais 1. Donc là, je préfère quand même faire ça. Plus de dégâts, c'est quand même pas dégueu, tu vois. Mais ça me coûte 3. Mais je tape à 3 au lieu de 1. Et je peux me déplacer, donc c'est quand même pas mal. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est quand même pas dégueu. Parce que là, globalement, elle fait déjà super mal. Et lui, il fait mal aussi, quoi. Après, tu vois, lui, je peux le transformer en un monstre aussi, sinon. Mais en vrai, il tank déjà et tout. Non, on est bien comme ça. Ok, station de pompage, défendre le train. Vas-y, le train, c'est cool. Alors. Ce jeu est juste trop bien, quoi. Totalement in love. Tu vois là par exemple avec maintenant avec l'artillerie je pourrais one shot un connard de healer comme lui là. Peu importe où il va. Boum, je vais lui faire un 3 dans la gueule, ça va le calmer tout de suite quoi Jean-Michel. Pas de problème. Alors attends, ça va attaquer l'artillerie. Lui va attaquer devant, très bien, donc lui il faut le calmer. Et là, t'as joué quand les squads, imagine boxy. Oh oui, je sais bien. Ah oh, non, mais il est trop bien le jeu. Hein. T'inquiète pas, hein, je suis convaincu qu'il est trop bien. Hein. Vous avez pas de. Défendre le train. Attends, il va me taper à combien? Ah, il va faire 2 et 2. Ouais, non, c'est dangereux par contre. Attends, non, attends, annuler le déplacement. Attends, si je vais là. Attends, je vais tenter un truc. Je comprends pas. Non, non, attends. Je comprends pas par contre. Pourquoi ça marche pas? Il me semblait qu'il sautait pourtant, non? Attends. Survole la cible tout en larguant les fumigènes. Ah, parce que je me suis déjà trop déplacé, c'est ça? Pas pourtant. Là, je veux bien ça, pourquoi ça marche pas, Dvang? Si je me mets là et que j'utilise les fumigènes, clique sur la case d'arrivée. Ah, merci. Ok, voilà. Je galère un peu parfois avec l'interface, hein, c'est l'enfer. Alors que mon idée est bonne, mais je galère avec l'interface. C'est pas de chance quand même. Ok, bueno. Pas de soucis, pas de problème. Un peu de problème. Ces bâtards. Hein. Il va attaquer le train. Je vois pas comment je peux sauver le train. Attends, ça fait quoi ça? Comme ça. Bon, ouais, c'était pas ouf en vrai. T'as toujours ton reboot au pire. Ouais, ouais. Ce que je me dis, parce que là, je vais me prendre des dégâts. Et le train va se faire enculax. Attends, on va réussir. Salut chaton lune. On va reboot ce truc là. Alors. Le problème, c'est qu'ils sont là. Je vois pas comment je peux buter ces trois là en fait. Et là, sinon, j'ai le réseau qui se fait enculax à ce fuck.
Et le réseau, j'en ai quand même besoin. Après le réseau, je peux en récupérer à la fin. Là, je perdrai. Ah là, il fait 2. Non, non, je peux pas le laisser, lui. Hein. Non, je pense que très bien. Ça se fait, premier ton temps. Reste tranquille, quand même. Tu prends la confiance, mec. Tu prends la confiance. Alors. Ah, j'ai réfléchi. Oublie pas que l'artillerie, elle tape pas en AOE. Hein. Elle bump, elle tape pas en AOE. Hein. Elle est toute crevée dans le chat. Je tiens à vous le dire, hein. Avec beaucoup d'amour, hein. Je les teste tous. Hein. Si lui, je le mets là. Et je le fais tirer là. Ça va dégager ça. Et qui va attaquer ici. Vas-y, on tente en back. Ne demande ce qui se passe en fait. Bah, il va l'enculer. Hein. On va voir si c'est ça. Ah. T'as pas 5 le bordel quand même. Attendez. Mais qu'est-ce qui se passe en premier? Est-ce que le train avance d'abord ou est-ce que lui éclate son pote? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas du tout. Est-ce que je peux sinon garantir la survie du bazar ici? Horde d'attaque. Action des ennemis, action des PNJ. Ah, ok, d'accord. Ah oui, on peut le voir en haut. D'abord les dégâts de feu, action des ennemis. Ah oui, ok. 1, 2, 3. D'accord. Donc, on est d'accord que lui va... Ah non, il va d'abord se faire tuer. Ah non, 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 il va d'abord se faire tuer par le train. Attends, action des ennemis. Ah non, il va d'abord attaquer le train. Mais... Ah, ça marche. Ah putain, je pensais qu'il tapait en zone, ok. Ah par contre, il va taper... On va voir ce qui se passe. C'est bon. Wouh ! Ok. C'est bon. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Ok. Barre-toi. Ok. On est au top. On va pas y aller ballsy, hein. On va y aller petit zizi. Ok. Alors. C'est quoi ça? Dalle de téléportation. Finissez votre déplacement à cet endroit pour être téléporté à la dalle correspondante. D'accord. C'est rigolo ça. Ok. Ok, je vois l'idée. D'accord. Ça a marché. Ah putain. Ça fait quoi ça? Je comprends pas, attends. Œuf d'épère, il y a une merde qui va pop. Non mais 100%, il y a une merde qui va pop là. Ah putain, non, attends, annulé. Finissez votre téléportation à cette... Ah, finissez votre déplacement. Je sais pas pourquoi j'ai lu finissez votre tour initialement. J'ai fait le débile. My bad. Ceci dit, n'attaque pas. C'est pour moi désolé. Attends, n'attaque pas. Pourquoi est-ce que lui n'attaque pas? Je sais pas, mais bon.
résiste. Ok. Quand t'as pas de talent, t'as de la chance. Hein. Ok. Ça c'est propre, ça c'est très très propre même. Pas mal. Coucou. Mais en vrai, non, c'est une os. Quoique. Coup la paix à mon pote. Pas de soucis pour le mecha. Faut bien qu'il tanque un peu, ça tient. Ah! What? C'est quoi ces dégâts? Ah, j'avais pas vu. Whoops! Oups. Ah. Ah bon. Bon bah j'aurais pas l'étoile hein. Ok. Ah merde! J'avais pas vu qu'il tapait aussi fort ce con, putain! Ah, je suis deg! Moi j'ai fait le connard. La vache. Ces deux-là, ils sont fragiles, mais ils sont au travers. Ah ouais, j'ai pas vu les dégâts! Oh non, c'est ma faute, hein, j'ai mal regardé les dégâts. Complètement ma faute. Chie mon assiette, hein, et on est parti. Hein. Ok. Alors. Donc. Après du réseau. Attends, ça fait quoi? Défense de base 15. Attends, le pourcentage de chance qu'un bâtiment a de rester aux dégâts, d'accord. Ouais, mais bon, menace détectée élevée, quoi. Le problème, c'est que c'est un coup aussi à me faire enculer le réseau, tu vois. Tu fais là ton confinement, t'auras un cœur. Les 6 étoiles. Non, j'aurais que 5 étoiles, par contre. J'en ai 3. Genre avec 5 étoiles. Et c'est un coup aussi à me faire péter le fion, tu vois. Ouais, donc je pourrais acheter... oui, j'aurais pu acheter Fignon et Trucker, t'as encore un pilote à vendre, il me semble. Ouais. Ça aussi, c'est ça que j'ai... Bolzi ? Bolzi jusqu'au bout ? On peut tenter le Bolzi, hein. Mais c'est vrai que j'aurais la double artillerie de ouf, hein. Allez. Le Bolzi ! Le beau jeu! Le beau jeu, le chat! Détruire les cuves d'acide, d'accord. On tente le beau jeu, le chat. Eh, porte-toi public, hein. On est dans l'entertainment pur et dur, là.
Je vais me faire éclater l'oignon là. Ah, l'artillerie elle va être en mode bombardement. Hein. Je suis déjà dans la merde. Non, c'est bien, hein, le premier tour a commencé, j'ai l'impression que j'ai déjà perdu. Attends, il se passe quoi exactement si je fais ça? Alors, ça fera. On fait voir. T'es nul. Putain, c'est nul, attends. Ouais. Quoique ça c'est pas mal en vrai, ça c'est pas si mal. Ok. Perdu non mais t'es un peu dans la merde. Ah, là ça va, lui va se faire éclater, ça va sortir là. J'ai toujours pas compris ce qui se passait sur l'œuf moi. Il y a une merde qui va en sortir, c'est ça? Régénération? Oh putain de merde. Il est pas mort lui? Ah ouais, c'est la merde là. Ah ouais, c'est la... Ah ouais. Ah ouais, on est vraiment dans le caca là. Pas de soucis. Protéger la bonne défense, protéger la capsule. Oh là là! Non mais l'œuf, il est terrible là. Je vais voir un truc moi. Ok, ça a marché. Ouais, ça pop, j'ai bien compris, les petites araignées. Il va taper à 3. Il va taper à 1. Ok. On est pas mal en vrai. Lui va prendre 3 de dégâts, ça va le faire. Et là, on va perdre un réseau. Oh, le résiste! Et j'ai eu les cubes. Oh, le résiste! Ah, le bon résiste des familles. Et j'ai eu la capsule en plus. Ça se trouve, il y aura aussi un cœur dedans. Allez, le cœur. Contre une Archimède. Nouveau déplacement après avoir tiré. Plus un réacteur. What? Oh non. Ah, il y a le boss. Trop facile ce jeu. Alors, attendez. Boum. Donc, paf, paf. Voilà, facile. Hein. J'ai directement le double cœur. Hein. Parce que j'en ai eu un et j'en ai looté un dans la capsule.
Donc là on a l'artillerie qui va qui va être absolument insane. Ok. Putain, l'artillerie quand elle va tirer les gars, ça va être en mode Ah ouais. Ah bah là non mais l'artillerie, je vais faire en sorte qu'elle bouge pas de toute façon, hein. Ça c'est ouais, on va faire en sorte de pas la bloquer, tu vois, qu'elle ait vraiment le chemin là pour se déplacer. Allez, parfait. Oh, parfait. Oh, bah magnifique. Génial. Non, vraiment en plus, hein. Allez, boum. Alors. Voilà. What? Ah, oh, ok, j'ai mal compris. Ça c'est qu'autant œuf des pères. Ah, et l'araignée va taper l'œuf des pères, d'accord. D'accord, chef araignée, lui, son but c'est de faire popper de la merde. Oui mais c'est un autre pilote. Là le pilote qui fait que mon artillerie tire deux fois, c'est déjà grâce à un pilote, je peux pas mettre deux pilotes, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sauvez-nous. Ouais, on arrive. Pas de problème, on arrive. Sacrifier un petit réseau. C'est pas dramatique. Oh le résiste. J'aime ma vie. Ok. Norage, le chat. J'ai 27%. Ouais. C'est bon. Bueno, logiquement. Attends, lui élimine lui. Allez, barrez-vous. Cassez-vous. Oublie pas que si je me déplace, je suis baisé par contre. Sept étoiles. Nice. Nouvelle compétence débloquée, plus en déplacement. Nice. Et j'en ai même deux à vendre, ouais. J'ai lui et... Attends, va falloir... T'as le double tir et tu l'utilises quasiment pas. Trop de puissance. Après, double tir si je bouge pas. Oublie pas. C'est si je bouge pas le double tir, hein. Tous les vecs subissent plus un dégât quand ils se... Oh, c'est stylé. Ok, alors. Tous les mechas gagnent plus un point de vie. Ok, ça c'est trop bien. Ah non, par contre, d'accord. Mais il faut que je lui mette du cœur de réseau. Bon, après, ceci dit... Bon, après, ça vaut le coup. Avec deux... Hop. Plus 2 en def encore. C'est vrai, ça me ressemble bien.
C'est l'heure de la bataille finale. Alors attention, attends, je comprends l'histoire du truc, la passive. Ah! D'accord, hop. D'accord, ça me coûte que 1 en fait. Ah, yes, ok, donc tout le monde gagne plus 1 point de vie. D'accord. Voilà. Et là, attends, qu'est-ce que je peux faire de beau là? Il me reste encore un cœur, voyons voir ça. Plus 1 emporté pour la bombe fumigène. Oh! Ok, ça, ça peut être très... Oh là là, va falloir faire un gros choix là par contre. Donc je suis la bombe fumigène qui peut quand même baiser 2 connards. Ça, c'est cool. Et c'est tout ce qu'elle peut faire pour lui. Où? Ah, c'est là, c'est ça. Ok. Ici, avec 1, 2... Avec 1, je peux rien faire pour lui. Et sinon, avec lui, je peux lui donner du déplacement ou de la santé. La santé, en vrai, on s'en bat les couilles sur lui. Bâtiment immunisé. Ah, je peux les dégager d'un bâtiment. Ça peut peut-être être pas mal s'il y a du monde. Ou je peux lui donner du déplacement. Ce qui me manque, je trouve. Je vais lui donner du déplacement. Pour qu'elle puisse bien bouger, en vrai, quand il le faut. Après, le dégagement peut être pas mal aussi. Pour les empêcher de taper. Bon, je sais pas, je reviens. Je vais pisser vite fait. Et on fait la bataille finale. Je pisse, je prends de l'eau et on arrive. A tout de suite. Et go la bataille finale. Et ensuite, je suis en vivo.